Bonjour, je suis designer en mode masculine et je crée et je vends mes collections, notamment à travers une boutique à Paris, dans le Marais. Alors, comment j'ai pu résister à cette crise que nous traversons tous? J'ai tout d'abord pris très rapidement contact avec les différentes organisations professionnelles ou publiques, telles que la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, le ministère de l'économie et des finances, le DEFI, qui est un comité qui aide la mode française à se développer, ou bien la Fédération nationale de l'habillement. Nous avons donc fait appel au chômage partiel, au fonds de solidarité et bien entendu aux prêts garantis par l'État, qui a été très important puisque grâce à une communication très facile et très directe avec ma banque, j'ai pu en bénéficier. Et dans ces métiers de création, il est capital de pouvoir avancer avec des bases qui soient encourageantes. Ensuite, nous avons bien entendu développé le digital, nous avons peaufiné et nous avons rehausser le niveau de notre site internet, ainsi que les publications qui sont devenues beaucoup plus fréquentes sur Instagram, Facebook et Google My Business. J'ai pour cela continué aussi à communiquer avec mes clients, notamment grâce à nos newsletters que nous avons envoyés plus souvent. Démarrer un programme de fabrication de masques en tissu dès le mois d'avril qui était coordonné aux collections. Et c'était l'idée étant de rendre cet objet qui était contraignant, pas très drôle, beaucoup plus séduisant et d'en faire un accessoire de mode. Ça a été un vecteur de communication assez important parce que j'ai pu faire davantage connaître la collection à des chaînes de télévision ou pour des interviews radio, etc. Ensuite, avec mon équipe, nous sommes jamais lâchés, c'est-à-dire que j'ai toujours pris des nouvelles d'eux, nous parlions au téléphone régulièrement pour pouvoir garder cet esprit de solidarité qui était vraiment très important et qui l'est toujours.